Une fois que vous avez construit votre modèle Arima en utilisant les données d'entraînement, vous devez maintenant analyser sa performance toujours sur les données d'entraînement. Et donc, cela se fait facilement en utilisant ce code-là. On va appliquer la fonction checkResidual. CheckResidual, qui est une fonction du packet forecast. Donc, checkResidual. Et qui prend en argument tout simplement notre objet modèle. Donc, MD. Donc, si j'exécute cette commande, j'aurai des graphiques qui vont me permettre d'analyser la performance de mon modèle. Donc, lorsque je vais dans Plots, je vais zoomer pour que vous ayez euh, une bonne vue des 10 graphiques. Alors, la fonction check résidual est appelée sur le modèle Arima et cette fonction elle est spécifique comme je le disais tantôt à la bibliothèque forecast et permet d'effectuer une analyse des résidus du modèle. donc l'analyse des résidus est une étape très importante pour évaluer la qualité du modèle ajusté. elle permet en effet de vérifier si les résidus du modèle prennent, présentent plutôt des comportements indésirables tels que des tendances, des corrélations, des valeurs aberrantes ou des non stationarités. Donc, en clair, je vais vous expliquer chacun des graphiques. Il y a trois graphiques qui sont présentés euh, suite à, à l'exécution de check résiduel sur le modèle. Il y a d'abord tout en haut le graphique des résidus. Ce graphique des résidus affiche le tracé des résidus du modèle au fil du temps. D'accord? Donc, vous avez eu euh, un affichage au cours du temps euh, du, des résidus. Cela permet de détecter des structures temporelles ou des schémas résiduels inappropriés. Maintenant, vous avez l'histogramme des résidus. L'histogramme des résidus présente la distribution des résidus. Donc, pour un modèle, euh, dans le cas d'un modèle Arima, plus votre, euh, vos résidus ont une distribution normale, euh, mieux c'est. Donc, une distribution normale des résidus est souhaitable. Il faut savoir que vous n'allez pas souvent obtenir ça, mais vous pouvez quand même obtenir une distribution pseudo-normale. D'accord et enfin, vous avez le graphique de densité. Non, de, toujours dans, au niveau de l'issura vous avez la courbe en rouge là, qui représente le graphique de densité des résidus. Il montre la densité des résidus, tout simplement. Une distribution normale est souhaitable. Euh, vous avez la fréquence des, des plages de valeurs résiduelles. Donc, les résidus, c'est quoi en fait Les résidus représentent la variance entre les valeurs prédites et vraies, qui ne peuvent pas être expliquées par le modèle. D'accord En d'autres termes, ce sont les erreurs, tout simplement. Vous êtes censé espérer voir les valeurs résiduelles les plus fréquentes regroupées autour de zéro. Vous voulez des erreurs légères avec moins d'erreurs aux extrémités de l'échelle. Donc, que ce soit avec l'histogramme ou avec la courbe de densité, vous devez avoir une distribution normale ou, ou pseudo-normale. Donc, mieux la distribution des résidus tend vers une distribution normale, mieux c'est. Donc, voilà. Maintenant, si vous avez euh, une distribution totalement asymétrique, il faut savoir que d'office, là, votre modèle n'est pas du tout bon. Et finalement, vous avez le graphique des autocorrélations partielles des résidus, donc ce qu'on appelle en abrégé le PACF. Il indique s'il reste des informations corrélées dans les résidus du modèle. Donc voici les graphiques euh, qui sont affichés après l'exécution de la fonction check résidual sur le modèle. Mais ce n'est pas fini il y a aussi quelques tests qui sont calculés automatiquement lorsque vous exécutez ce code. Il y a le test de ljung boss C'est un test statistique pour vérifier si les résidus du modèle sont indépendants. Il y a le test de normalité des résidus. C'est le test qui teste l'hypothèse que les résidus suivent une distribution normale. Et euh, il y a le test de stationnarité des résidus qui vérifie si les résidus du modèle sont stationnaires. Donc, l'objectif de cette analyse des résidus est de s'assurer que le modèle Arima ajusté, ajust, ajusté plutôt, en tout cas le modèle Arima construit capture correctement les motifs et la structure de la série temporelle en minimisant les erreurs résiduelles et en obtenant des résidus qui sont aléatoires, indépendants et normalement distribués. Donc, euh, je vous invite à exécuter ce, ce code à votre niveau et euh, tenter d'expliquer en fait. Euh, la performance de votre modèle sur les données d'entraînement. Donc, ici par exemple, euh, regardez cette ligne, modèle DF4 total lag US 24. Cette partie fournit des informations supplémentaires sur le modèle ARIMA. Modèle DF indique le nombre de degrés de liberté du modèle, qui dépend du nombre de paramètres estimés dans le modèle. Total, lags, total lag US indique le nombre total de retards. Le nombre total de lags utilisés dans le test de Ludjunk Boss pour évaluer l'autocorrélation des résidus. Donc vous avez un ensemble euh, de, de paramètres, en tout cas d'indicateurs, qui vont vous permettre d'interpréter les résultats. Donc, ici, dans notre cas, on peut dire que le test de, de Ludjunk Boss n'a pas trouvé suffisamment de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus du modèle sont indépendants. Cela est indiqué par la P-valeur ici qui est égale à 0,073, qui est supérieure au seuil de signification de 0,05 plutôt. Donc si on avait une P-valeur inférieure à 0,05, on pourrait rejeter facilement l'hypothèse selon laquelle les résidus du modèle euh, sont indépendants. Mais ici, c'est égal à 0,07. On n'a pas suffisamment de preuves pour rejeter cette hypothèse nulle. Cependant, il est important de noter que l'interprétation des résultats de ce test doit être faite avec prudence et en considérant d'autres diagnostics et évaluations des résultats pour évaluer la qualité globale de votre modèle. Donc, nous, dans cet exemple, on va quand même continuer euh, le travail à, pour aller jusqu'au bout en faisant ce qui suit. On va calculer les prédictions sur les données de test. Donc, une fois que j'ai analysé mes performances, les performances de mon modèle sur les données, ont servi à son entraînement. Je vais maintenant effectuer les prédictions sur les données de test. Donc, pour faire cette prédictions, c'est très simple. Je crée prédiction sur les données de test. On va créer une variable, on va nommer fc. On utilise la fonction forecast, tout simplement, qui prend en argument le modèle. Et euh, le, le paramètre h, en fait, l'argument h, ça indique l'horizon. L'horizon ici, c'est tout simplement la longueur de nos données de test. Donc, c'est le nombre d'observations dans les données de test. Donc, je vais utiliser tout simplement l'inf de test. D'accord Donc, il va nous faire une prédiction dans les données de test. Donc, comme ça, on pourra avoir euh, les, les, les prédictions. Donc, si j'exécute et j'affiche FC, vous allez voir. Attention, j'exécute. Voilà. Ah oui, désolé. alors fc voilà ce qui me donne regardez vous avez euh, je vois si je peux afficher bon, je vais faire je vais le mettre en, en forme de data frame pour pouvoir mieux l'afficher donc regardez ici vous avez euh, le point forecast point forecast ça veut dire la valeur prédite par le modèle donc c'est la valeur prédite par le modèle et les autres euh, colonnes, en fait, c'est l'intervalle de confiance. Okay? Ce sont les intervalles de confiance. Donc, c'est cette colonne qui nous intéresse. Donc, ici, nous avons les valeurs prédites par le modèle. Dans notre cas, ici, on parle de consommation totale mensuelle en gaz aux États-Unis. Donc, en décembre 2013, le modèle prédit qu'on a une consommation de 2700. En, juin de, en janvier 2014, on a une consommation de 2911, etc. D'accord Donc, ça, c'est les valeurs prédites par le modèle. Et on avait quand même... Euh, les valeurs les valeurs vraies. D'accord? Si je fais par exemple, euh, je, je vais vous montrer les valeurs vraies. Les données de test. Regardez, vous avez les vraies valeurs ici. Donc, 2920,8 correspond euh, à la première valeur qui est décembre 2013. D'accord? Le modèle prédit 2700,44, alors que la vraie valeur, c'est 2920,8. Euh, en en Janvier 2014, le modèle prédit 2911,024, alors que la vraie, la vraie valeur c'est 3204. D'accord? Donc, naturellement, ce n'est pas les mêmes valeurs parce que c'est un modèle. Un modèle n'est que la représentation simplifiée d'un phénomène. Donc, vous ne pouvez pas avoir un modèle qui est juste à 100%. Ça, c'est clair. Mais vous devez quand même pouvoir quantifier euh, l'erreur de votre modèle sur les données du test. Et c'est ce que nous allons faire. Pour quantifier cette erreur, on va utiliser tout simplement la fonction accuracy, toujours de la librairie forecast. Prendre deux arguments, les données prédites et les vraies données, donc les vraies valeurs. Si j'exécute, j'ai ce résultat. En fait, ce résultat me, me permet d'avoir les valeurs de plusieurs euh, métriques de performance, telles que par exemple l'erreur quadratique moyenne, ce qu'on appelle en anglais root mean squared error. Le Min Absolute Deviation Error, donc le MAE, le MPE, etc. D'accord Donc, ces métriques sont calculées aussi bien sur les données d'entraînement que sur les données de test. Donc, quelle est l'utilité d'avoir pour chaque métrique la valeur sur les données d'entraînement et sur les données de test C'est pour voir si vous n'avez pas un phénomène d'overfitting de su-apprentissage ou de sous-apprentissage, par exemple. C'est-à-dire, si, regardez ici, par exemple, on a quand même de grands écarts. Prenons le RMSE. Le RMSE euh, a la même unité que votre variable cible, donc ça veut dire que vous pouvez l'interpréter beaucoup plus facilement. Sur les données d'entraînement, on a une erreur de 98,02, tandis que sur les données de test, on a une, une erreur de 355,18. L'écart est trop grand, d'accord C'est un très grand état, écart. Ça veut dire que il y a un problème au niveau de votre modèle. Il faut essayer de d'ajuster le modèle, d'accord Il faut essayer de régler certains paramètres. Donc quand vous rencontrez ce cas, vous êtes obligé d'aller au niveau de la fonction Auto Arima et voir comment vous pouvez ajuster certains paramètres. D'accord Je vous invite à, à rentrer dans l'aide de la fonction Auto Arima pour voir les choses que vous pouvez régler afin de corriger ce grand écart-là. Donc, qu'est-ce que la fonction Accuracy me permet de faire Elle me permet de calculer différentes mesures d'évaluation afin d'évaluer la précision des prédictions par rapport aux valeurs réelles. D'accord Les mesures comprennent généralement des métriques telles que euh, l'erreur moyenne absolue, MAE, l'erreur quadratine moyenne, le RMSE, la racine carrée de l'erreur quadratine moyenne, etc. etc. Donc, vous, avez ces, vous choisissez l'erreur qui vous intéresse et vous faites les interprétations. Ici, on va supposer que euh, notre modèle, quand même, donne de bons résultats. On va supposer que nous sommes. Euh, nous sommes, comment dire, euh, d'accord avec ce modèle et nous voulons l'utiliser pour faire des prévisions. Okay? Pour faire des prévisions, c'est très simple. On peut faire des prédictions. Euh, je vous conseille de souvent faire des prévisions à moyen terme. Il ne faut pas aller faire des prévisions à 10 ans, 20 ans, 30 ans avec un modèle. Ce n'est pas vrai. D'accord? Faites des prévisions à, à court terme, court terme, moyen terme. D'accord Ici, par exemple, on, je peux tracer. Je peux dire par exemple, euh, je fais des prévisions sur un an. OK? Donc, si je fais des prévisions sur un an, euh, je vais par exemple construire mon nouveau modèle en utilisant toutes tout mes données. Donc, je fais New Model. Euh, new Model Auto Arima. Je vais prendre tout, tout toute ma série temporelle. D'accord Je construis mon modèle et je peux faire des prévisions. Je dis par exemple, euh, je fais des prévisions sur un an. Rappelez-vous que j'ai des données mensuelles. Donc, je fais des prévisions sur un an ça veut dire que c'est 12 mois. Donc, Forecast New Modèle. Et l'horizon ici, c'est 12. Donc 12 mois après la fin de ma dernière valeur au niveau de ma série temporelle. Donc je fais des prévisions sur 12 mois. D'accord Donc c'est une sorte d'extrapolation dans le futur. Donc toujours on extrapole dans le futur. Et j'exécute. Si j'affiche prévision, vous allez voir, voilà, j'ai mes prévisions. Donc j'ai les prévisions novembre 2019, décembre 2019, janvier 2019 jusqu'à octobre 2020. Donc j'ai combien 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai 12 valeurs, donc 12 mois. Donc j'ai le point forecast, donc la valeur prédite par le modèle et les intervalles de confiance. D'accord? Une autre façon aussi de visualiser, surtout si vous voulez présenter le travail à un public euh, qui n'est pas forcément euh, un public technique, vous pouvez présenter votre modèle dans un graphique. Donc il suffit de faire tout simplement test forecast. La fonction test forecast. Vous lui dites actuel égale US gaz d'accord ça c'est la série temporelle originelle le forecast objet c'est FC et le test c'est test tout simplement d'accord donc si j'exécute ce code vous allez voir que ça va me générer un graphique je vois je zoome voilà donc dans ce graphique là j'ai mes données originelles d'accord j'ai les données prédites sur l'ensemble d'entraînement et les données prédites sur l'ensemble de test et je peux analyser euh, pour voir si je suis satisfait ou pas. Donc, je peux présenter ce graphique à un public et on juge ensemble de la pertinence du modèle. Donc, voilà euh, comment vous pouvez construire votre modèle Arima en utilisant Auto Arima. On a vu aussi comment euh, analyser les résidus en utilisant les, le, la fonction check résidual. Comment effectuer les prédictions sur les données de test et calculer certaines métriques d'évaluation afin de juger de la performance du modèle, de la capacité du modèle à se généraliser. Et ensuite, je vous ai montré aussi comment, euh, comment calculer les prévisions, donc au-delà de votre série temporelle, et comment aussi construire un graphique interactif qui vous permette de visualiser quand même comment le modèle s'ajuste, comment vos points sont ajustés par rapport à votre modèle. D'accord, les points prédits, les points, les, les points de prévision. Et ceci marque la, la fin de la, de la section sur ARIMA. À partir de la prochaine vidéo, nous allons voir une autre technique de modélisation de séries temporelles, mais qui utilise cette fois-ci des, des algorithmes de machine learning. Et donc, si vous n'êtes pas abonné euh, encore sur cette chaîne, faites-le et activez la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt.